Dans mon rêve, je sens l'odeur du barbecue. J'entends des enfants. Un chien. J'aperçois quelqu'un. Enfin, je crois. Mais rien ne m'est destiné. J'avance sous les rugissements des moteurs. Nous sommes des guerriers venus de la nuit. Bonjour à tous, c'est Pasgral et je me lance dans un nouveau let's play sur Wolfenstein New Order avec mon super accent anglais. Donc FPS Action Aventure de 2014. Toi tu voulais les pisser alors qu'on allait attaquer une base allemande. Ouais. D'accord. Il y en a qui sont honnêtes déjà. Ok alors. Bon alors, donc comme je vous disais c'est un FPS. Il date de 2014, comme d'hab, j'ai du retard sur les jeux, je ne pense pas faire tout de suite, hein. Hop. Les jeux récents, on verra si je le fais, je vais déjà m'amuser sur celui-ci. J'ai déjà testé un peu le jeu, je me suis dit que ça pourrait être marrant d'en faire un let's play, donc c'est pour ça que je suis ici. Voilà. C'est fait. Bon boulot. On reprend l'altitude. Blaskovic, retourne au cockpit. Wow. Là. Oui, je vais toujours avec toi. Ils vont vite hein, les nouveaux avions allemands là. Super rapide. Je bouge pas mes alliés hein. Il est où? Oui, d'accord. Oui bien sûr. Ah celui-là je ne pouvais pas l'éliminer. Ah mon nom. Pas le temps de la saluer. J'ai une guerre à gagner. Oh, y'a un type qui est en train de me taper là. T'as failli me faire peur, espèce d'enfoiré. Un vrai dur à cuire, nom de Dieu. C'est surtout ton haleine qui m'a réveillé. Utilise cette trousse de secours, vite. Espèce d'abruti. Hé, Condor 9, ici vautour 1, écartez-vous un peu. Négatif, vautour 1. On va relâcher un verre à cause du roulis. Pour qu'on brise la formation et que vous nous fassiez de la place, Fergus. Répondez, Condor 9. Ici, Condor
Peut-être m'accrocher, moi, non, je peux pas. Je ne vais pas faire la blague. Mais bon, pilote. Bon. Là là là, c'est peut-être la blague pourrie de la soirée. C'est un peu taré ce qu'on va faire, mais bon. Ces trucs volent encore. Quel est le plan, capitaine? C'est marche ou crève, soldat. Comme d'habitude. Bien dit, capitaine. Mon copilote est mort. J'ai pris du tracé dans la jambe. Je pisse le sang. J'ai 71 soldats à bord. Je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. Eh ben, c'est la joie de vivre ici, les mecs, hein. Ça va? Ça va aller, les mecs. Vous inquiétez pas. Oh putain, je croyais plus. Merci. Poton 1, 3, 4, 8 et 9 abattus. C'est l'hécatombe. Faut annuler la mission. Blaskovitch, aidez-le à s'enlever. Négatif, Condor 9. Gardez le cap. Allez. Merde, Gordon. Voilà, deux tartes dans la gueule. C'est comme ça qu'on réveille les gens. Ça va? Bien aidé. Oulala. Vu qu'on est en train de perdre tout le monde là. Oh, il y a des corps qui volent. Si vous n'arrêtez pas de boucher, tout est perdu. C'est notre dernière chance. Ouais, Gordon. Dieu. Il faut qu'il aille. Attaquez le boucher. Centre de contrôle terminé. Coder 9 terminé. Je peux pas m'accrocher à un moment donné parce que là, si on se crache, je me pulvérise la tête contre. Voilà. C'est ce que je craignais. Nous sommes le 16 juillet 1946. C'est encore l'aube. Tout s'effondre autour de nous. La machine de guerre nazie avance à un rythme effroyable. On accumule le retard. Nos stratégies sont éculées. Nos armes dépassées. Personne ne sait pourquoi. Les gens commencent à désespérer. Pas moi. Je suis là pour voir un vieil ami régler mes comptes. Je vais changer la donne. Wow. C'est un chien sauveteur en métal. Allons. Ah, Fergus, où t'en es de ton côté? Blaskovitch, on est dans la merde jusqu'au cou ici. On est piégé à l'intérieur d'un avion pendant qu'un genre de cerbère blindé essaie de nous boulotter. Ouais, j'ai le même problème ici. Je suis coincé dans une épave. Tu vois par là-bas? Hé, Wyatt, allumez les lumières. Blasco, est-ce que tu la vois? Wyatt, essayez-moi ça vite. D'accord. Je vous vois. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Impossible de l'atteindre d'ici. On est piégé dans cette boîte de conserve. Et toi, tu pourrais peut-être tuer ce cabot en utilisant la tourelle dans le cockpit de notre appareil. Il nous faudra au moins ça pour en venir à bout. Essaie d'y aller à la nage. Tant que tu gardes la tête sous l'eau, tout va bien se passer. Bonne stratégie, Fergus. J'arrive tout de suite. Bon. Allez hop, on va jouer les bourrins. Oui, j'ai mis le jeu en... Comment dire? En moyen. Histoire de essayer d'avancer le plus possible. Sous l'idée.
Hop là. Ok. Monstre le boucher. J'aurais dû tuer ce type bien longtemps. Allez, c'est parti. Bon, ce qui est pas mal, c'est que c'est balisé. Allez, les mongos. Voilà, c'est bien. Oula. C'est pas de métallique passé. Il y a un bon souffle, hein. Souffle. Allez. Ok, hop. Voilà, comme ça je montre bien où je suis. Maintenant tirez sur moi, je cours au milieu de départ. Youpi, youpi. Capitaine, vous nous avez sauvé la vie. Bon, écoute. Il y a trois lignes mitrailleuses dans ces tranchées là-bas. L'unité peut pas avancer sans se faire étriper. Alors tu vas m'infiltrer ces tranchées et éliminer les tireurs. Marrant que ce soit un capitaine qui parte en première ligne. Hein. Mais bon. Nous on reste ici pour te couvrir. Je suis peut-être américain. Prends ce casque. Je te tiendrai informé depuis notre position. Ok, prêt à balancer les tirs de couverture. Ouais, ouais, on sent que je suis en... graphique, c'est pas grave, c'est normal, c'est détesté. Après l'habitude hein, avec leur jeu. Là. Je me sens un peu trop dans le tas là. On va changer d'arme. On me tire dessus. Ah.
Ah, ouh, ça a dû faire mal ça. Ah, s'il a senti une douleur très longtemps, mais... Aïe, ah oui, c'est bien détaillé quand même. J'avais pas fait gaffe la première fois, j'avais un peu commencé à jouer. J'ai un peu fait le premier, enfin, dire le niveau du tacticiel rapidement. Voir un peu la tronche du jeu, si ça pouvait être marrant de le faire. Déjà, ça sera un peu plus dynamique que Alien. Hein. Si vous vous souvenez de mon aventure sur Alien, c'était pas forcément le truc le plus dynamique qu'on pouvait faire. Alien, hein, c'était la survie avant tout. Un très très bon joueur de FPS, mais j'ai pris ça dépend. Qu'est-ce qui s'est passé, Marc?
efficace leur mitrailleuse lourde. Vache. Faut la prendre. Cool. À mon avis, je cours plus, mais bon. Partout comme dans Alien, désolé, c'est un peu mon défaut, j'aime bien ramasser. Ah, partout. Ouais. Je vais la garder, je sais pas comment jouer là. Alors, est-ce qu'on pose le truc ici? Ouais. Je vais utiliser la bande là-bas. Peut-être intéressant d'aller utiliser ça là-bas. Non, j'ai déposé là. Lascaux, ces deux canons sont perchés dans les niveaux supérieurs du bunker à flanc de falaise. Il faut les neutraliser. On a des avions dans le secteur et ces canons vont les réduire en miettes. Là, je passe par les sous-sols. Hein. Et... Tiens. Oh, pistolet. Silencieux maintenant. Vous croyez vraiment que je vais jouer en mode... Non, non, on va y aller, hein. Et en mode silencieux. Ah, je crois que je vais pas pouvoir m'amuser avec ma mitrailleuse. C'est dommage. N'importe quoi. Oh. Grenade, grenade, grenade. Ah mais faut pas jouer avec des grenades hein. C'est dangereux, ça peut vous péter à la tronche. Oh mais vous commencez à me saouler hein. Voilà. Voilà. C'est fait au moins, c'est nettoyé. Alors maintenant on va récupérer tout ce qui traîne. Paf paf paf. Nanana. Je vais déjà aller ici. Ah. Hop. C'est pour Pic. Tac.
peu de l'acharnement, désolé. Ok, c'est vrai que j'aurais pu être plus discret. Mais bon, on n'est pas là pour être discret. Bon. Allez, hop, viens par là toi. Sauvegarder, donc le jeu n'est pas trop compliqué, je pense qu'il est assez cool par rapport au niveau. Ah, c'est avec une sacrée nuance, c'est assez sympa. Ouf. Encore qui veulent jouer? Ok Blasco, on a réussi à passer. On se rapproche de la paroi de la falaise, juste en dessous de la base du boucher. J'espère qu'on a une corde assez longue pour grimper jusqu'en haut. Ça fait un peu mal. Je suis allé un peu fort, je crois. Oh. Oh là là. Alors, ok, ça s'est fouillé. Ah, ils ont toute la même. Bon, ça c'est fait ici, c'est bon. Sympa que les murs soient destructibles. Ça rajoute un peu de... l'air de véracité dans ce jeu. Il n'y a pas forcément beaucoup. Hein, nous sommes en juillet 1946, pardon. C'est supposé que... Hop hop hop. Ah, je n'en ai plus. Non, j'ai plus de munitions, ça sert à rien. Pas du tout sur quoi il faut tirer. Ouh là là, j'ai énervé la machine. Oh, bon, bon, bon. Pas énervé la machine. Alors j'ai fui. J'ai fui comme un lâche là totalement. Oh, gna gna gna. Yeah!
fait. C'est un peu fouillé la façon dont je filme là. Je ne rends pas malade mes quelques viewers. Yeah. Alors, je trouve qu'il manque un peu de musique, c'est dommage. Tiens, qui m'a tiré dessus, voilà. On peut abîmer le mur. C'était grand chose. Ah, t'es à droite là-bas. Pas ta voix. Un petit coup, c'était marrant tout à l'heure. Ouais, mais je vais devoir prendre la corde. Donc ça ne servira à rien ce que je viens de faire. Yé, les jambes. Waouh, ça va, capitaine. Prenez ma main, je vais vous aider. Ouais, ouais, ça va. Merci. Je suis sûr que vous me rendrez l'appareil, capitaine. Venez, je vais vous aider. Ah, ils veulent pas que je m'amuse avec ma maîtrise lourde, hein. Les gars, écoutez-moi bien. Notre petite mission suicide vient de se compliquer. Juste derrière nous, se trouve le pilier de l'armée allemande. Oui, qui sort celui-là. Soldat Gates, au rapport. Bien, dévoué et fou allié, bienvenue sur le front. Prenez ce soldat. Ça fait des années que nos forces n'ont pas été aussi près du général Strasser. Une sale blessure, soldat. Soignez-la bien. On élimine le général, on enraye la machine de guerre des Bosch. Sinon, c'est eux qui vont nous bouffer. Bon. Ça va, fiston? Non. J'ai les yeux qui piquent, et je crois que je vais être malade. Est-ce que c'est normal? C'est les nerfs. Je vais t'apprendre un truc. Inspire. Compte jusqu'à 4. Expire. Compte jusqu'à 4. Et le tour. Et d'obéir à des putains de Frankenstein nazis mutants. Alors tout le monde est prêt? Cette fois-ci, on va faire le boulot jusqu'au bout. Bon allez, on se met en route, allez. Voilà de la musique là qui est sympathique en plus. Dommage qu'il n'y ait pas plus. Allez. Parce que pendant les vidéos, je veux pas trop parler. Histoire d'écouter les dialogues. Quoi? La guerre,
Ok, des répliques un peu bizarres. Une bonne équipe, comme un père et son fils. Allez, go. Blaskowitz, Gatz, Benson, votre mission est simple. Vous grimpez sur ce mur, vous entrez à l'intérieur et vous trouvez le poste de commande qui ouvre cette putain de porte. Vous prenez toutes les armes nazies que vous verrez. Elles sont bien meilleures que les nôtres. Nous, on reste ici pour vous couvrir. Ensuite, quand la porte sera ouverte, on rentrera. Et on vous rejoindra en haut, dans les étages supérieurs. On trouve le boucher et on lui éclate la tête. Vous me recevez ? Sans vouloir vous mettre la pression, c'est sûrement notre dernière chance. Si on tue pas le boucher, c'est foutu. Allez, frappez. C'est terminé. Ici. Moi aussi je peux me pencher. Avec votre truc électrique, on vous voit un peu. Il est où le chien? Oh. Ah. Voilà. Ils me font un peu flipper les chiens. Ils foncent. Un peu plus calme là. Hop, hop, hop. Super. T'es pas mort toi? J'ai bouffe. Oui, oui, je vais prendre la bouffe pour chien. Ça me redonne de la vie. C'est très bon, hein. J'ai jamais goûté, mais ça a l'air d'être très bon. De toute façon, en temps de guerre, hein. Tu prends tout ce qui traîne. Hein. Tu vas pas faire la fine bouche. Il manquerait plus que ça, quoi.
Alors là, il y a certains murs qu'on peut détruire. Et d'autres trucs qu'on peut pas détruire. C'est étrange. Un peu mal. Un peu trop là. Alors ça, ne faire jamais ça avec une arme. Mais c'est le meilleur moyen pour se prendre un ricochet dans la tronche. En voilà un beau portrait. Mais c'est dommage. Comme je vais le refaire, c'est plus trop d'actualité. Oh. Wo zum Teufel sind Sie? Wir müssen ganz in der Nähe sein. Ich höre heute auch schon Geräusche. Ich hasse diese elende Warterei. C'est sympa ça. On fait pas son silencieux. Ah mais vas-y. C'est vrai qu'ils sont blindés leurs chiens. J'ai tout fait en discrétion et là tu vas comme un bourrin. Ouais. On fiche, on est là pour l'action. Capitaine Blazkowicz, on s'approche d'une sorte de cour.
Ah, allez, go. Qui chante, oh. Faut tirer dessus pas. Ah oh, c'est mal. Ça mort lui. Lui. Ah oui d'accord. Moi-même j'aurais pas fait mieux pour buter ces nazis. Bon travail, capitaine. Bon, on se dirige vers l'épave de l'avion. Lascovitz, tu nous y rejoins. En route, mon gars. Allez. Ça, limite atteinte. Allez, allez! Impossible de faire bouger cette poutre. On est coincé, Blazkowicz. Essaie de voir si tu peux la déplacer de ton côté. Vous pourriez peut-être utiliser ça pour la dégager. Suis-moi. D'accord. Croyant, Anne Barker, ou protestant? Vous allez devoir sauter, les gars. Vous d'abord, Henriette. Tu vas à la messe le dimanche? Quoi, vous avez pas d'église en Angleterre? Pas de prêtre? Ouais. Eh ben, bon courage pour trouver une église qui tient encore debout en ce moment. Le banc! Le jour dîner! À vous! À ton tour, Blazkowicz! Oh, normalement, je... On va y arriver à peu près. Ok, merci les mecs. C'est sympa. Oh merde. Ah, j'aurais pas dû prendre ce hamburger ce midi. Désolé. Faute. Ma faute. Aïe. Ça devient ridicule. J'ai les pieds cassés. Où est-ce qu'on est? C'est sympathique. Ah, il y a des cendres. Ah, il y a un paquet de cendres. Eh, Wyatt, essayez d'ouvrir cette porte pendant ce temps-là. Vite. Go, go, go. Vous voyez ces tuyaux? Ils sont reliés à ce boîtier de commande. Qu'est-ce que c'est? Je suppose que c'est un énorme incinérateur. Vous avez fait quoi? Désolé, j'ai cru que c'était pour la porte. Allez, allez, bougez, allez. Merde, essayons ça. Ah, les petits détails sont assez marrants. Enfin, marrants. On est foutus. Désolé, je suis vraiment désolé. Je sais pas ce que je fais. Laisse-moi vite, trouve la clé. Ça commence. Oh.
Hop, 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 hop. Va chercher les stropiers. Viens par là, toi. Ça va commencer à être chaud. Merde, mon bras. Qu'est-ce que c'est que ça? Blaskovic, hey, vous avez dit... En position, les gars. Restez calmes. Détruisez son respirateur artificiel. Mon visage est à découvert. Tout le monde respire encore ? Affirmatif. Les incinérateurs sont éteints. Vous voyez comment ouvrir la porte ? J'ai vraiment pas envie de moisir ici. On peut pas l'ouvrir de ce côté ! Attendez. Je crois que j'entendais pas, quelqu'un arrive ! T'as une belle tête, toi. C'est le boucher ! Qu'est-ce qui se passe ? Arrêtez. Je crois que toi. Toi, t'as fait un concours, ressembler l'homme le plus moche, et t'as gagné. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites ici, messieurs? On est là pour le programme d'amincissement. Trompé d'adresse. Je t'avais dit de tourner à gauche au croisement. C'est une langue morte maintenant. Vous me dites quelque chose? Vous me plaisez. Vous êtes un spécimen corrompu. Je pourrais faire de vous un soldat formidable. C'est sympathique, tout ça, sympathique. J'aime beaucoup ses yeux, à celui-là. Ne touchez pas, enfoiré. Mais j'aime bien les vôtres. Pas les siens. Ils sont déjà abîmés. Quel dommage. Aidez-moi à choisir. À votre avis, dites-moi, lequel de ces deux-là profiterait le plus à mes recherches? J'ai peu de place pour prélever des échantillons. Si vous refusez de répondre, je vais devoir les opérer l'un après l'autre, et nous y passerons la journée. Allez, un petit effort. C'est ça. Vous n'avez qu'à regarder en direction de celui que vous voulez que je dissèque. Vraiment, celui-ci. J'aurais plutôt choisi l'autre, mais je m'en remets à votre jugement. T'en fais pas, Blasco. C'est la guerre. Les gens meurent. Mon heure est venue. Le général Strasse. Aujourd'hui, il m'a appris quelque chose. J'ai vu la souffrance, la mort, mutilation et torture. Je croyais avoir tout vu, mais je ne connaissais pas la vraie cruauté. Jusqu'à maintenant. Compte jusqu'à 4. Inspire. Compte jusqu'à 4. Expire. Ah.
Et il va être marrant ce jeu, je pense. Parce qu'il va faire pareil. Capitaine, j'ai une idée. Faites comme moi. Oh non! Merde! Non, non! Rangez vos soucis dans votre patin, je suis usé! Souriez, souriez, souriez! Donc vous avez une cigarette à fumer! Capitaine! Faut neutraliser les injecteurs de l'incinérateur! Il faut m'aider à les démolir! Mais tu sautes aussi loin! Ça va tout péter! Faut qu'on arrive à ouvrir cette fenêtre! Tu vas les chier sur la gueule, hein! Dans la l'abattoir, vas-y! Essayez de crocheter la tête! Allez-y! Essayez d'ouvrir la fenêtre! Crochetez le poids de contrôle en étant à côté de la fenêtre! Ah. Ok, on y va. C'est fait, c'est fait. On va sortir d'ici ensemble. Il violait quand j'étais à pied, putain. Wop. Voici donc l'introduction de Fini. Ça fera un lourd épisode, mais bon. On va finir toute cette vidéo d'introduction. Je vous laisserai là-dessus. Psychiatrycznego. Nic nie możemy zrobić. Mózg jest uszkodzony. Tak. Ma jajecznicę z mózgu. Tak, panie doktorze. Jajecznicę. Czekałam na ciebie tak długo. Obudził się. Skąd wiesz? Zaufaj mi, mamo. Po prostu. Oli? Kochanie, twoja córka ma tajemnicze siły. To moja córka, ja tylko dałem tajemny skąd. Tato! La Untermenschen en allemand, c'est-à-dire sous-homme. Il me semble, hein. On va peut-être vérifier. C'est de l'allemand il y a longtemps. Zostawicie teraz przy oknie, w świetle. Une sensation étrange, piégée dans mon propre corps. Je m'évanouis, je perds du temps. Parfois on change de saison en un clin d'œil. J'ai du mal à réfléchir. Mes pensées se dispersent, comme une odeur qui s'envole au vent. Mais je fais des progrès. Voilà ce que je sais. Je suis en Pologne. Un hôpital. Non,
l'asile. C'est l'infirmière en chef. Ça, c'est son père, le psy. Sa mère, une sorte de pharmacienne. Il dirige le centre. Parfois, ils fêtent Noël ou des anniversaires. Parfois, des nazis viennent. Ils repartent avec des patients menottés. Le général Strasse se sert à volonté. Le psy fait des scènes, mais il finit toujours par signer. Pas le choix, j'imagine. J'assiste à tout ça, à l'impuissance de ces braves gens. Je suis en vie grâce à eux. Je me rétablis grâce à elle. Elle s'appelle Anya. Elle prend soin de moi. Elle veille sur tout le monde. C'est elle qui fait tourner le centre. Elle aurait dû être mariée, mais la vie en a voulu autrement. Et voilà. Wir schließen diese Einrichtung. Ihre Dienste werden nicht länger benötigt. Cet épisode là, on reprendra peut-être un peu avant, donc on verra comment ça se passera. À la prochaine, merci d'avoir regardé cet épisode. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Weitermachen. Je sais pas où qu'elle est. A plus, salut les amis.